tous, chers amis. Tout d'abord, nous sommes la veille de Rosh Chodesh. Donc, je souhaite Chodesh Tov à tout le monde. C'est le vendredi, c'est Rosh Chodesh. Que ce soit un mois de délivrance, un mois de joie, un mois de bonheur, un mois de bonnes nouvelles pour tout le peuple juif et un mois surtout de bonnes nouvelles pour notre frère et soeur en Israël, la réussite pour nos soldats. Et qu'on puisse toujours entendre et partager que des bonnes nouvelles. On continue aujourd'hui dans ce chapitre numéro 7 de Shar Eichud Va'emuna. Chapitre très riche pour tout celui qui se rappelle ce qu'on a vu la semaine dernière. La semaine dernière, on a continué à parler sur Yehuda Ela, Yehuda Tata, qui voulait dire qu'il y a des manières de regarder le monde, comment Dieu gère le monde à chaque instant. Et on a vu aussi que par rapport à Dieu, ça s'exprime de différentes manières, s'il y a les miracles surnaturels ou les miracles qui sont bien dans la nature. Le risque des miracles naturels comme le miracle de Purim, c'est que parfois on s'imagine qu'il n'y a pas vraiment de miracle. Et qu'on peut parfois oublier que c'est Dieu qui gère chaque chose, les miracles surnaturels. On se dit, ah, ça c'est la force de Dieu. Alors que en vérité, pour Dieu, il n'y a aucune différence entre les deux. Et les deux, pardon, et les deux sont exactement la même chose. Mais aujourd'hui, on va rentrer dans un sujet qui est très très riche et qui est très, je dis, d'actualité en général. Et c'est une question que beaucoup de gens se demandent, comme on l'a parlé déjà la semaine dernière, qui est-ce que Dieu vraiment s'intéresse à chaque chose que je fais ? Puisque Dieu est infini, puisque Dieu est grand, est-ce que Dieu vraiment il se prend la tête à savoir ce qu'il y a dans mon assiette, s'il y a du houmous ou de la mayonnaise par exemple, comme l'autre, ou je sais pas, l'autre il a mis la moutarde. Et comment ça a à faire avec le fait de savoir que Dieu est au courant de tout. Et Dieu sait tout ce qui se passe dans chaque instant. Alors, il est au courant de tout, il sait ce qui se passe. On a dit la semaine dernière que ça ne change en rien pour lui. Que peu importe ce qui se passe dans le monde, et dans le Milvador, Dieu et le monde entier, ça ne fait aucune différence. C'est pas qu'il est changé par rapport à ce qui se passe dans le monde. Alors si c'est comme ça, ça veut dire que je suis infini pour lui, que je suis insignifiant pour lui. Et je vois absolument rien pour lui. Puisque de toute façon, tout ce qui se passe dans le monde ne fait aucun changement pour Dieu. Et donc automatiquement, il n'en a rien à faire de ce qui se passe avec chacun d'entre nous. Et je ne pense pas qu'il se prend la tête avec ce qui se passe dans les détails. De savoir si dans mon assiette, j'ai un kebab qui est fait de viande cachère ou c'est un kebab qui est fait, va savoir de quoi. Très belle histoire. Il y avait une fois un juif qui avait envoyé un ami une question, lui demandant pourquoi le judaïsme s'intéresse à chaque détail. On a eu le merveilleux cours lundi soir sur rumeurs, diffamations, dénonciations calomnieuses, etc. qu'il y a sur les réseaux sociaux, comment aujourd'hui on peut détruire une personne avec des commentaires ou avec juste l'autre il n'était pas bien, l'autre il a fait ci, l'autre il a fait ça, et les gens ont écrit des milliers de commentaires, et tu détruis une personne. On a raconté une histoire avec un juif à Holon qui travaillait pour la municipalité qui s'est suicidé à cause d'une histoire pareille, alors que même par la possibilité à la personne de s'exprimer, de répondre. C'était très riche, la paracha Mishpatim, qui est une paracha 18e de la Torah, qui est une paracha de vie de société dans tous les détails, savoir comment vivre avec l'autre, les voisins, commerce, etc. Cours de dimanche matin, c'était sur la cohésion familiale, l'unité de la famille, l'importance de comprendre que le plus important, c'est les enfants, la satisfaction des enfants, et pas le business, etc., avec des vidéos du rabbi, des échanges. Tout ça, on peut revoir sur Torah.fr. Alors, on revient sur cette question. Pourquoi le judaïsme se focalise sur les petits détails? Dieu, il est infini. A priori, il n'a rien à faire de ce qui se passe dans mon assiette. Ça, c'est la question qui lui a été demandée. Après quelques semaines, il envoie encore un email. Il dit, monsieur le rabbin, je vous ai envoyé une question il y a quelques semaines. Il ne m'avait pas répondu. Et le rabbin, il a répondu que dès que j'ai reçu ta question, je t'ai répondu. Avec une réponse. Sauf que j'ai oublié de mettre le point dans l'email. Dans ton email, c'était écrit Gabriel le Tout-Puissant, @gmail.com. Mais je n'ai pas mis le point. Et je me suis dit, après ça, c'est ça que tu te prends la tête pour un point. De toute façon, l'email va arriver, c'est pas le point qui fait la différence. Et à la fin, on m'a expliqué que non, monsieur, s'il manque un point dans l'email, au final, l'email n'arrivera jamais. Et là, il a compris. S'il y a un être humain sur Terre qui ne comprend pas la langue des ordinateurs, il considère qu'un point n'a aucune importance et c'est insignifiant. Mais par contre, celui qui comprend le langage des ordinateurs sait que chaque point, chaque détail a tout sous, qu'on appelle ça, tout son importance. Et que sans ce point, l'email n'arrivera jamais à son point. Pareil dans la Torah. Quelqu'un qui ne comprend pas le langage divin, il ne comprend pas pourquoi le judaïsme fait tellement attention à chaque détail, qui apparemment ont l'air tellement insignifiants. Mais Dieu, qui comprend comment communiquer, fonctionner dans le monde, lui, il s'intéresse à chaque détail. Et sans ce détail, tu ne peux pas créer cette liaison, ce lien, ce pont avec Dieu. La semaine dernière, on avait vu longuement ce Yehuda Ela, Yehuda Tata, miracle et nature. Aujourd'hui, on va voir sur un autre angle. Est-ce que Dieu vraiment s'intéresse à tous les détails ou pas? On va voir que l'histoire qu'on vient de raconter, c'est tellement important. Parce qu'on va rentrer aussi dans la question qui est générale. Est-ce que la Torah est éternelle?
inchangeable, ou bien la Torah, elle est changeable et elle est modulable. Est-ce que c'est de la pâte à modeler ou pas? Tout d'abord, on va apprendre sur l'éternité du Créateur. Et ça, on le rencontre dans la Torah. En général, on a reçu les 10 commandements ce Shabbat. On a répété encore une fois les 10 commandements dans toutes les synagogues. Les gens sont montés à la Torah, ils ont payé des fortunes pour avoir la montée des 10 commandements. Sauf ici, à votre Saint-Denis, dont tout est offert gratuitement, comme d'habitude. Et la Torah te dit une chose, que les mitzvot sont éternels, la had ou l'olmer l'amim. Chumash Dvarim, Deutéronome, chapitre 29. Vaniglot lanu, vaneinu adolam. La Torah ne change jamais. L'éternité de la Torah, elle est la force, c'est quoi? C'est que ça n'a jamais changé. On ne peut pas rajouter ni diminuer. On dit dans Dvarim, chapitre 4, l'otosifu ala davar asher anochi mitzaveh etchem, velot igru mimenu. Tu ne pourras pas rajouter sur les choses que j'ai mis dans la Torah, que je vous ai ordonné, ni diminuer. Pourquoi la Torah, elle a cette éternité? Ça vient de l'éternité de celui qui a donné la Torah. Puisque Dieu est éternel, puisqu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, puisque Dieu est éternel, pas seulement par rapport à l'essence de son existence, mais du fait qu'il ne se change pas en fonction des changements qu'il y a dans le temps, Dieu reste le même dans le passé, présent et futur. Et ça, ça s'exprime avec le verset qui est écrit dans le dernier chapitre du dernier prophète, qui est le chapitre 3, verset de Sefer Malachi, qui a ni Hachem, lo shaniti. Moi, Dieu, je n'ai pas changé. Rachid explique, qu'est-ce que ça veut dire, lo shaniti, je n'ai pas changé? Ça s'exprime par rapport au comportement de Dieu, qui ne change pas son comportement, c'est le même tout le temps. Fameuse chanson qu'on chante avec les soldats, en général, Netzach Israël, lo yeshakev, lo yinachem. Dieu est l'éternel, il ne change pas, il ne ment pas, et il n'est pas consolable, parce que c'est pas un être humain pour être consolable. Ça, c'est l'explication de Rachid. Viens le Eben Ezra. Le Eben Ezra a été dit que non, lo shaniti, ça parle de Dieu lui-même. Que en Dieu ne peut pas avoir aucun changement. Contrairement aux créatures, que nous, on peut tous avoir des changements. C'est pas que Dieu ne change pas, c'est que Dieu en lui n'est pas inchangeable. Bien la chassidoute explique. Que Dieu ne change pas du fait qu'il est yachid. Qu'est-ce que ça veut dire yachid? Unique. De même manière qu'il était yachid avant d'être créé, avant que le monde crée, il est le même après. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans la prière pour tout celui qui fait les korbanot? On a l'habitude de dire Atahu, Atchelonivra, Olam. Atahu, Mishenivra, Olam. Toi, tu es avant que le monde a été créé, et tu es le même après que le monde a été créé. Tout le monde demande la question, pourquoi on dit deux fois le mot Atahu? On le dit une fois, tu es le même avant que le monde soit créé et après. Et la réponse, elle est, parce qu'on veut dire que tu es le même toi, la même personne, si on peut dire, le même que tu étais avant la création du monde. Après la création du monde, il n'y a rien qui a changé en toi. C'est pas comme quelqu'un qui a travaillé, il s'est fatigué, il a fait quelque chose, il est fatigué, il n'a plus de force, il a vieilli, il s'est usé. Dieu, il a pu créer le monde, et avant et après, c'est exactement la même chose, il n'a pas changé. Oui. Non, je dis, ce qui est difficile à comprendre, c'est que Dieu, c'est comme s'il avait des leaders, quoi. C'est pas que c'est comme si, c'est qu'il a. Ouais, c'est-à-dire qu'il te donne une Torah éternelle. Oui. Mais ça veut dire que lui, on va y arriver. Dans son éternité. Tu vas voir la éternité, question à la fin. Pourquoi quand même il a tu vas tout de suite voir à la fin. On n'a pas fini, tu vas voir à la fin, très très riche. Mais a priori, là, moi, exactement, la question est quelque chose qui n'est pas clair ici. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire Yachid? Quand je te dis quelque chose qui est seul, qui est unique, c'est il n'y a personne d'autre. Quand tu dis par exemple quelqu'un qui a un fils unique, qu'est-ce que ça veut dire un fils unique? Ben Yachid. Parce qu'il n'y a personne d'autre. Quand je te dis que tu as une société qui est unique, parce que tu n'as pas de compétition, tu n'as pas quelqu'un qui est contre toi. Le moment où quelqu'un il ouvre une boulangerie en face de ta boulangerie, tu n'es plus Yachid. Tu n'es plus unique. Parce qu'il y a quelqu'un qui a une boulangerie en face de toi. Le moment où tu as un frère et une sœur, tu n'es plus un fils unique. Ton statut, il change et tu n'es plus appelé un Ben Yachid. Maintenant, avant la création du monde, c'est sûr que par rapport à Dieu, pas de discussion, il était Yachid. Il n'y avait rien dans le monde. Il n'y avait rien sur Terre, il n'y avait pas la planète Terre, il n'y avait pas les anges, il n'y avait pas les humains, il n'y avait pas les animaux, il n'y avait pas n'importe quelle autre créature sur Terre. Et donc, puisqu'il n'y avait pas d'autre entité, on est obligé de dire que Dieu était Yachid. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit. Ein od milvado, il n'y avait rien à part Dieu. Je t'accorde. Très bien. Maintenant que le monde il a été créé, et maintenant qu'il y a tout ce qui se passe dans le monde, son statut n'est plus Yachid. Je vois des autres choses. Il y a des autres choses sur Terre. Il y a un monde. Il y a des humains qui ont le libre arbitre qu'on a vu la semaine dernière, que Dieu te donne la possibilité d'avoir un libre arbitre. Et donc, si c'est comme ça, yesh od milvado, il y a d'autres choses à part Dieu. Que tu veuilles ou pas, on est entre humains.
Et donc la question que la Noa Zakaté demande, comment tu peux appeler Dieu Yachit? Comment tu peux appeler qu'il est unique? Et de dire que En Milvado, qu'il n'y a rien à part Dieu, Ani Hashem le Sheniti, j'ai pas changé. Comme s'il n'y a aucun changement avant la création, Atahu, Atchelon Ivraola, Matam Michel Ivraola. Il y a eu des changements, le monde il est là. Tu peux dire que le monde il n'est pas là, tu dire que le monde n'existe pas. Et par rapport à ce qu'on a appris dans tous les derniers chapitres, maintenant on comprend que la création du monde, elle n'existe pas toute seule. Elle dépend à chaque instant de la force divine qui la fait vivre. Et donc qu'est-ce que ça veut dire, Enon Milvado? C'est-à-dire que par rapport à Dieu, c'est pas que la création elle est séparée de lui. C'est pas que la création c'est une entité séparée de Dieu comme si elle est déconnectée de Dieu. La création du monde, ça fait partie de Dieu. C'est l'essence de Dieu qui est impliquée dans la création du monde, que chaque instant que Dieu donne sa parole pour faire vivre chaque chose, les choses existent. Et la minute que Dieu décide que le monde doit disparaître, il disparaît. Et c'est ce qu'on dit tous les matins dans la prière, Amechadesh, Betuvo, Bechol, Yom, Tamin, Maasei, Bereshit. On a dit qu'il est en train de renouveler chaque instant, chaque jour, la création du monde. Et donc, le fait qu'il y a un monde et le fait qu'il y a une création du monde, ça n'a rien changé dans le statut de Dieu. Puisque la création du monde, elle est totalement néant par rapport à Dieu. Et donc, de la même manière qu'il était Yachid, qu'il était unique avant la création du monde, il est resté encore une fois Yachid après la création du monde. Pour lui, il n'y a aucune différence. Pour lui, c'est exactement la même chose. Et si tu veux parler en termes de mathématiques, ça fait 1 plus 0 égale 1. C'est pas parce qu'il y a eu 1 plus 1, il n'y a pas eu un autre 1. Ça n'a pas été créé une entité séparée de Dieu, en dehors de Dieu. Il n'y a pas quelque chose en dehors de Dieu. Premier paragraphe. C'est ça qu'on a expliqué, Yohan va comprendre. Maintenant, on va comprendre ce qui est écrit à Ni Hashem le Shaniti. Je suis Dieu et je n'ai pas changé dans Malachi, chapitre 3, verset 6. Qu'est-ce que ça veut dire, je n'ai pas changé? On a demandé la question, il y a un monde. Pirush, en, shum, shinri, klal, qu'il n'y a pas de changement du tout. Gmo, shaya, le vadokan, embriat, de la même manière que c'était comme ça avant que le monde soit créé. Car, ou le vadokan, shinivra, de la même manière, Dieu, il est tout seul après que le monde a été créé. C'est ce qu'on dit le matin dans la tefila. Toi, tu es celui qui est le même avant la création du monde. Et tu es le même une fois que le monde a été créé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'y a aucun changement dans son essence et ni dans sa connaissance. Ça n'a absolument rien changé, le fait qu'il y ait un monde ou qu'il n'y ait pas de monde. Très bien. Le problème, c'est quoi? C'est le fait de dire que Dieu ne change pas. Ça révèle une question énormément puissante et importante par rapport à la profondeur de nos actions. Et ça, c'est la question par laquelle on a commencé le cours aujourd'hui. Qui veut dire? Pas parce que Dieu est grand et nous sommes petits, mais plus que ça. Puisque Dieu il est éternel, et puisqu'il ne change pas, puisque le monde il est totalement néant par rapport à lui, ça veut dire que moi aussi je suis néant par rapport à lui. Ça veut dire que moi aussi je suis insignifiant par rapport à lui. Si moi je suis insignifiant par rapport à Dieu, puisque au final je calcule pas et je compte pas, et tout ce que je peux faire n'a aucune valeur de toute façon, ça ne fait pas de différence par rapport à Dieu, quel sens a mes actions que je fasse ou que je fasse pas? Est-ce que Dieu il me connaît réellement? Est-ce qu'il sait qui je suis? Est-ce qu'il en a affaire de mes actions petites ou grandes? De toutes les façons je suis insignifiant, de toutes les façons le monde n'a aucune importance face à Dieu. Si Dieu est l'éternel, Aniachem, l'éternité, Dieu ne change pas. Et moi, je suis seulement momentané et je change. À ce moment-là, quel lien on peut avoir entre nous? En deux mots, ne me prends pas la tête avec tes bêtises. Quelqu'un m'a demandé hier dans un cours. Pourquoi demander à un enfant de ne pas mélanger le lait et la viande? Pourquoi demander à un enfant de ne pas manger du lait juste après la viande? C'est un enfant, quelle différence? Je fais, écoute, tu n'auras pas un poison à un enfant, pourquoi tu devrais faire une différence? Mais là, tu me dis que pour Dieu, de toute façon, le monde il est insignifiant, le monde n'a pas d'importance. Et de toute façon, ça ne fait aucun changement pour Dieu. Alors laisse-moi tranquille, laisse-moi faire ma vie. De toute façon, j'ai aucune importance face à ça. Je n'ai même pas au courant qu'ils existent. Je ne vois absolument rien. On a pris tout à l'heure l'exemple du point qu'il y a dans l'email. Là, ce n'est même pas un point. Même un point, je ne veux pas. Parce que je suis zéro de zéro, j'ai aucune importance face à lui. Qui a dit cette phrase? Iov, fameux Job dans le chapitre 35, verset 6. Il a dit la fameuse phrase, « Im chatata matif albo. » Si t'as fauté, tu fais une différence envers Dieu. Raboub Shaercha, t'as fait beaucoup de fautes. Matasselo, qu'est-ce que tu vas lui faire? Im Tzadakta, si t'as fait des choses justes. Matitelo, qu'est-ce que tu vas lui donner? Ou Mamiyatra Eka, qu'est-ce que tu vas prendre de sa main? Tu vaux quelque chose aux yeux de Dieu? Tu vaux rien!
Dieu, il est infini, et Dieu, il ne change pas. Nous, on est zéro. Et donc, nos fautes ou nos mitzvot n'ont aucune impact, ni pour le bien, ni pour le mal. Pour lui, c'est exactement la même chose. Et donc, si c'est comme ça, tu poses des questions majeures. Et on va tout de suite voir comment tout le monde a débattu de cette question. À quoi sert Torah et mitzvot? Je pense vraiment que Dieu n'en a à faire si j'ai mis les tefillines aujourd'hui. Je suis insignifiant, je veux absolument rien. Et pour ça, il faut rentrer dans la deuxième. Qu'est-ce que j'ai dit? Pour ça, il faut rentrer dans le deuxième côté de la pièce, qui est le deuxième côté de la photo. Qu'au contraire, Dieu, il est mélangé et il est au courant de chaque détail de ce qui se passe sur la planète. Il connaît chaque action de chaque être humain et il réagit en fonction de chacun de nos actions. Nous, on le sait, beaucoup de communautés par Chabad ont l'habitude de dire tous les matins les 13 bases de la Emouna, les 13 animes. Beaucoup de communautés le disent, il y en a qui ne le disent pas tous les jours, mais en tout cas, c'est la base fondamentale de la Emouna. Qui l'a écrit? Rambam, Maïmonide. Rambam écrit dans le Pirouche Mishnayot, dans Sanhedrin. C'est quoi la dixième base? Que Dieu connaît les actions de l'humain. Velo Iznicham, il ne les a pas abandonnées. Velo Kedat, Omer, Azav, Hashem et Taharet. Pas comme ceux qui disent que Dieu a abandonné la terre, qui est la pensée qui est idolâtrie. C'est-à-dire que Dieu a créé le monde et qu'après il s'est séparé, il n'a plus rien à faire dans le monde. Et là, comme Moshe Amar, mais quand c'est écrit, Gadola et Tsav, Rav, Alilia, Sherinech, Abkuchot, Akol, Nakem, Neadam, Dieu, il sait exactement, il a les yeux ouverts sur chaque être humain. Vomer, c'est écrit, Vayar Hashem, Kirabar, Ata, Adam, Maret. On a vu ça avec Sodome et Gomorrhe, que Dieu, il a dit, j'ai vu ce qui s'est passé avec le mal que les gens font sortir. Il y a le café, ce que quelqu'un veut, le café, etc. Vomer, il dit, Zakat, Sodome, Vamora, Kirabar, Dieu, il dit, j'ai entendu les cris de Sodome et Gomorrhe. Ça, c'est la base du Yesod à la série, la base du dixième fondement de qu'est-ce qu'est la croyance juive. Ça veut dire que Dieu sait exactement ce que chacun fait. Et on voit ça à travers tout le Tanakh, à travers toute la Bible. Comment Dieu, il se consacre et s'intéresse aux actions de chacun. Il rentre dans les détails de chacun, dans les pensées de chacun. Il réagit en fonction. Parfois, il va récompenser, parfois, il ne va pas récompenser. Parfois, il va avoir une satisfaction, parfois, il va être en colère. Maintenant, ça, ce n'est pas seulement par rapport au comportement du monde avec un salaire et une récompense. C'est l'essence même de l'existence du monde. Puisqu'on a dit que le monde existe avec la force de Dieu à chaque instant. Et donc, l'existence de chaque détail dans le monde commence et dépend du fait que Dieu est au courant de cette chose-là. Si tu t'imagines que Dieu ne sait pas ce qui se passe avec toi, ou qu'il a oublié de l'existence à un moment, cette chose, elle arrête de penser, elle arrête d'exister. Contrairement à la pensée philosophique qui dit « je pense, ça veut dire que j'existe », là, c'est le contraire. Dieu, il sait et c'est pour ça que tu existes. Le fait que Dieu est au courant que tu es là, et le fait que Dieu, il a décidé pour chacun d'ici présent, ce matin, que notre âme est indispensable pour le fonctionnement du monde aujourd'hui, pour ça nous avons dit notre âme. Si Dieu l'aurait décidé qu'on est en trop, il n'aurait pas renvoyé notre âme. Donc Dieu s'intéresse à chaque être humain sur terre. Donc Dieu s'intéresse à chaque détail. Chaque détail a un sens divin. Et chaque détail existe par le fait que Dieu le connaît et Dieu le veut. Il y a un sens à chaque chose, grand comme petit, que nous faisons. Si on est d'accord avec ces deux choses qu'on vient de dire, ça, c'est exactement la division qu'on a vue la semaine dernière. Yehuda est là, Yehuda tata. Première approche, c'est que Dieu ne change pas parce que l'existence, le monde, est totalement néant. Ça, c'est Yehuda est là, on a vu l'union d'or, au niveau le plus élevé. La deuxième approche, c'est que Dieu, il est impliqué dans ce qui se passe dans le monde. Il est au courant dans chaque détail, et chaque détail a toute son importance. L'expression de Yehuda tata qui veut dire que Dieu, il laisse la place au monde exister. On verra la semaine prochaine. Est-ce que c'était vraiment un retrait, une contraction, comme on le dit, ou c'était une contraction qui n'est pas comme on le comprend? Ça, c'est dès la semaine prochaine. Le problème avec ce qu'on vient de dire, c'est que ces deux croyances sont contradictoires. Ces deux croyances, ces deux bases fondamentales, là, c'est le fondement 2 et le fondement 10, qu'on va tout de suite voir, sont totalement contradictoires. Parce que si tu dis que le Créateur ne change pas par ça qu'il a créé, et que la création du monde, elle est totalement néant, comment ça peut être en concordance avec le fait que Dieu est au courant de chaque détail et de chaque changement qui se passe dans la création? Ces changements, ces choses qui se passent dans la création sont liées à un changement. Et donc tu ne peux pas me dire, Dieu n'a pas changé, ni Hashem la Shaniti. Je ne change pas parce que la création du monde est néant par rapport à lui, mais il est au courant de chaque détail qui se passe. Chaque détail qui se passe, le monde y change, les choses changent. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une des questions les plus profondes de la pensée juive en général,
qui a été débattu pendant des siècles dans les livres de Chakira, les livres de recherche des plus grands du peuple juif, ainsi que dans la Kabbale et dans la Chassidut. Et aujourd'hui, on va voir plusieurs avis très riches, dont le Rambam, Maïmonide et le Maharal. Le Maharal de Prague, quand même 500 ans de différence, mais en tout cas, ces deux grands passages, on va voir comment l'Admor HaZaken fait la synthèse entre les deux en montrant qu'il ne se contredit pas l'un avec l'autre. Rambam Maïmonide, lui vient et te dit que qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est au courant de quelque chose? Ça fait partie de lui. Être au courant de quelque chose, c'est pas séparé de Dieu. C'est le connaisseur, c'est la science, et c'est celui qui connaît. C'est la même chose, il n'y a pas de différence. Alors, comment tous ces détails se peuvent être en corrélation avec le fait qu'il est unique? Rambam te dit un mot, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. En tant qu'humain, on ne peut pas le comprendre. On n'a pas de notion comment l'expliquer. Nous, on ne peut pas comprendre une chose pareille, comme on l'a dit, parce que c'est contradictoire. Si tu dis, je n'ai pas changé, comment tu es au courant de chaque détail, tu t'intéresses à chaque détail, et tu dis que chaque détail a toute son importance, je n'ai pas d'explication. Nous, on ne comprend pas. Ça, c'est Rambam. Viens le Maharal. Maharal de Prague, il te dit, le fait qu'il y a cette contradiction entre l'unité de Dieu, que Dieu est le Yachid, qu'on a dit tout à l'heure, que Dieu ne change pas, et le fait qu'il est au courant de chaque détail, viens le Maharal et te dit, sache, ce point-là de connaître tous les détails qu'il y a dans le monde, ça ne fait pas partie de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est séparé de Dieu, comme si Dieu il a créé une force dans le monde, que cette force est au courant de chaque chose. Mais ce n'est pas que Dieu est au courant de chaque chose. Dieu il a créé une force, que cette force est au courant de chaque chose. Mais lui, il est beaucoup plus élevé que ça, parce que lui, ou echad ve'en bashinui. Dieu il est un, et il n'a pas de changement à l'intérieur de lui. Ça, c'est deux avis, deux opposés. On va voir, après on peut parler des heures, on va rentrer dans les détails, quelques détails qui t'explique ces contradictions qui entre ces deux bases de la Emouna. Viens le Tzemach Tzedek, troisième rabbi de Chabad, dans le livre d'Erech Mitzvotecha qu'on apprend tous à la Yeshiva pendant des années, qui sont les fondements de toute l'explication des mitzvot, etc. Il y a là-bas une mitzvah qui s'appelle Amanat Elokut, croire en le fait que Dieu gère le monde, page 96. Et il t'explique, je suis d'accord avec le Maharal, que le Maharal te dit que Dieu est le plus élevé que de rentrer à connaître les détails de chaque chose, c'est juste, mais il n'est pas d'accord avec sa conclusion que cette force externe que Dieu a créée, c'est quelque chose de séparé. Et il t'explique que la réalité, elle est comme Rambam, il dit. Comme Rambam, de manière beaucoup plus profonde. Le Tzemach qui vient, il t'explique d'abord la question des philosophes. Comment de un peut exister un plus grand nombre? Et il t'explique que la base fondamentale de toute la question, elle dit que chaque chose peut créer en fonction de ses capacités. Et donc, a priori, de un peut être créé seulement une union et pas beaucoup. Puisque un, ça fait que ça forme toujours un. Si tu dis de un devient plusieurs, ça veut dire que le un depuis le départ n'est pas un. De un, il est plusieurs. Mais il débat, il est contre la question et il explique qu'en vérité, Dieu n'est pas limité dans aucune forme. Dieu n'est pas créé et pas forcé à créer exactement comme lui. Dieu a la capacité de créer plusieurs. La question elle est-ce que si Dieu est capable de créer plusieurs, comment ça marche avec le fait qu'on a dit que Dieu est un et Dieu ne change pas? Mais on ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas ce qui nous concerne aujourd'hui. La dixième base fondamentale de la foi juive, c'est quoi on a dit? Que Dieu connaît, il est au courant de chaque détail de ce qui se passe dans le monde. La deuxième base fondamentale de la foi juive, Anima Amin, c'est Ardout Hashem, que Dieu est un et Dieu est uni, et qu'il n'a pas de détails. Dans le langage de Rambam, comme ceux qui le disent tous les jours, le Yesod Hasheni, c'est quoi? C'est Ardouto Etale, que Dieu il est totalement uni, que c'est pas comme n'importe quelle espèce qui existe sur Terre, n'importe quelle chose, et pas comme un corps qui est un mais qui a plusieurs membres, plusieurs capacités, mais Dieu il est un d'une manière qui ne peut pas être expliquée comme plusieurs, c'est un tout court. Et c'est pour ça qu'on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Comme j'ai dit tout à l'heure, si c'est comme ça, a priori la question, c'est que ces deux bases fondamentales de la foi juive qui se contredit. Si Dieu il est un, qui n'est pas formé de plusieurs détails, comment il peut savoir tous les détails et tous les changements? En général, les détails sont contradictoires à ce qu'on appelle un. Et si c'est un, il n'y a pas de détails, il n'y a pas de plusieurs nombres. Prenons l'exemple avec un ordinateur. Quand tu as une information qui vient dans l'ordinateur, dans un portable, un smartphone, l'information elle reste dans le disque dur, et ça prend de la place. Tu veux faire une sauvegarde? Qu'est-ce qu'il te dit? Tu n'as pas assez de gigas. Il faut que tu nettoies le portable, ou bien tu rajoutes des RAM dans l'ordinateur jusqu'à ce que tu peux mettre
les informations à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Que chaque information que je mets à l'intérieur, ça prend ta place. Je reste pas le même. C'est impossible que tu mets 10 000 photos dans un ordinateur et ils restent les mêmes comme si tu les avais pas mis. Il te dit pareil avec la connaissance de Dieu. Chaque nouvelle information qui arrive, ça rajoute sur l'information précédente. Et donc apparemment, c'est contradictoire avec le fait que Dieu est un et que Dieu ne change pas. Pour comprendre ça, viens à l'Admor HaZaken d'après le Rambam. L'Admor HaZaken t'explique en te mettant ce qu'on appelle un mélange de deux avis, en te disant que réalité ne sont pas contradictoires. Ni le Rambam ni le Maharal. L'Admor HaZaken, il vient et t'explique qu'il y a deux types de connaissances. Il y a ce qu'on appelle une idea chitsonite, il y a ce qu'on appelle une idea primite. Une connaissance extérieure et une connaissance intérieure. Prenons un exemple, on est dans une salle. Il y a ici plusieurs choses, des murs, des tables, des chaises, des livres, des objets, etc., etc. Est-ce que le fait que je sais que tout ça existe, c'est pas partie de moi? Est-ce qu'ils sont à l'intérieur de moi? Non. Les objets qui étaient dans la chambre là, avant que je sache qu'ils existent, ne dépendent pas de moi et font pas partie de moi. Le fait que je suis au courant qu'ils existent, ça vient par un de mes cinq sens, qui est voir, entendre, etc. Mais au final, c'est deux choses séparées. Il y a ce que je vois, et il y a le fait que je suis au courant qu'ils existent. Que je le vois ou je le vois pas, ça change rien par rapport aux choses qui existent. Les choses sont là, le fait que je les ai vues, maintenant ils existent. Ça, c'est ce qu'on appelle une yedia chitsonit, qui veut dire une connaissance extérieure. Mais tu as des connaissances intérieures. Connaissance intérieure, c'est ce que tu sais ce qui se passe dans ton corps. T'as mal, t'as froid, t'as chaud, t'es faible, t'es fort. Le fait de savoir ce qui se passe dans ton corps, parce que ton corps, il est uni avec toi. Et donc, tu ressens ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Le fait de savoir qu'il y a une table ou une chaise, ça ne fait aucune différence pour ton corps. Tu le sais comme tu ne le sais pas. Quand tu sais ce qu'il y a dans ton corps, c'est totalement différent. Et s'il y a une partie de ton corps que tu n'arrives pas à ressentir, comme on l'a dit dans plusieurs lettres, c'est quelque chose qui a, c'est une preuve, il y a quelque chose qui ne va pas. En règle générale, quand quelqu'un dit « je ne ressens pas ma main », il y a quelque chose qui ne va pas, tu devrais la ressentir. Ça, c'est ce qu'on appelle une diaprimite. Une connaissance intérieure. Il y a une connaissance de savoir qu'il y a des tables et des chaises dans la salle et ça ne fait aucune différence. Il y a de savoir ce qui se passe dans mon corps et ça fait toute une différence. Quand tu demandes à quelqu'un, tu es assis dans une pièce, à côté un autre exercice qu'on peut faire, tu es assis dans une pièce à côté de quelqu'un et tu dis, est-ce que la personne à côté de toi, il est nerveux ou il est calme? Comment tu peux définir? Et comment tu peux savoir s'il est nerveux ou il est calme? Il va te dire, si je vois qu'il a un sourire sur sa figure, certainement qu'il est calme, il est tranquille. Si je vois qu'il parle de manière, si pas, une fois tu vois le policier, il arrête quelqu'un et tout d'un coup ils arrivent à déchiffrer, il y a quelque chose à se reprocher, pourquoi il n'est pas clair, il n'est pas les choses. Après tu demandes à la personne, et toi tu es calme ou toi tu es nerveux? Comment tu peux savoir? Tu es pareil? Et bien ça veut dire que ça je le sais à l'intérieur de ce qui se passe à l'intérieur de moi-même, je n'ai pas besoin de savoir par rapport à quelque chose que quelqu'un d'autre va définir. Ok. Viens à la demande, ce qu'on a dit, c'est la même chose avec Dieu. On aurait pu penser que le fait que Dieu connaît le monde, c'est quelque chose d'extérieur, comme si Dieu il envoie des caméras cachées avec ses yeux et ses oreilles, et il reçoit des informations de ce qui se passe dans le monde. C'est comme aujourd'hui, tu as les drones qui viennent et qui te font savoir où il y a un terroriste du Hamas qui se cache. Mais là, le problème, c'est que Dieu il n'a pas des yeux, il n'a pas des oreilles, il n'a pas de corps, il n'a pas de forme de corps. Il sait ce qui se passe dans le monde par rapport à lui-même, puisque le monde, c'est Dieu, puisque ce qui existe dans le monde, ça vient de Dieu. Dieu il ressent de lui-même ce qui se passe dans le monde. De la même manière que quelqu'un il ressent ce qui se passe à l'intérieur de son corps. Ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à lui, c'est intérieur à lui. Et ça, c'est ce que Rambam nous dit. Rambam te dit qu'il dit à Tatsmo, Yodea kol anivraim, Dieu il connaît toutes les créatures. Ce n'est pas une question qu'on a dit tout à l'heure, comment il peut savoir ce qui se passe avec chacun d'entre nous. Mais parce que dans notre conception des choses, c'est que c'est tellement déconnecté, donc s'il va connaître toutes ces choses-là, ça va lui former une différence. Mais dans le monde de Dieu, ce n'est pas déconnecté. Le monde, c'est Dieu. Chaque chose qu'il y a dans le monde, c'est Dieu. Et donc, c'est vrai que si la connaissance de Dieu, c'était une connaissance extérieure, alors on aurait pu dire que ça fait énormément de différence et de changement par rapport à Dieu. Comme s'il vient de recevoir une information en plus qu'il n'a pas reçue. C'est comme si tu viens de mettre 10 000 photos dans l'ordinateur en plus, qu'il se prend de la place en plus. Mais puisque la connaissance de Dieu, ce n'est pas une connaissance extérieure, mais une connaissance profonde, et donc, il connaît tous les détails du monde. Pourquoi? Parce que ça fait partie de lui. Donc ça ne fait aucune différence par rapport à lui. C'est totalement uni avec lui, sans aucune différence. Et là, c'est le deuxième paragraphe que l'Admor HaZaken te ramène. Comment Rambam t'explique ça dans les premières halakhot qu'on va recommencer bientôt, si Dieu veut, dans quelques semaines.
Ilchot Yesodei HaTorah, les bases et fondations de la Torah. Nous avons même te dit que le fait que Dieu sait ce qui se passe dans le monde, c'est une connaissance profonde, une connaissance de l'intérieur. Et avec ça, il t'explique que le fait que Dieu sait ce qui se passe dans chacun d'entre nous, ce n'est pas contradictoire avec l'unité de Dieu. Parce que Dieu, c'est le connaisseur, la connaissance, la science en soi, sans différence. Comme j'ai dit tout à l'heure, chez quelqu'un de normal, quand il connaît quelque chose, il y a trois composants. Il y a la personne qui connaît, la personne qui veut connaître, il y a le cerveau que tu utilises pour connaître, et il y a la chose que tu cherches à connaître. Et chaque chose est différente. La personne qui veut connaître quelque chose existait avant de connaître, et même avant qu'il ait le cerveau pour le comprendre. Le cerveau existe avant de connaître ce détail, et le détail que tu veux connaître existe avant que tu le fais rentrer dans ton cerveau. Et donc c'est pour ça que quelqu'un en général devient plus intelligent au fur et à mesure des années, parce qu'il emmagasine plus de connaissances. Puisqu'il emmagasine plus de connaissances, il devient plus intelligent. Mais ce n'est pas que ce qu'il a emmagasiné n'existait pas avant. Ce n'est pas que la force du cerveau qu'il avait, il ne l'avait pas avant. Et ce n'est pas le fait de pouvoir exister, lui, en tant qu'être humain, n'existait pas sans connaître cette connaissance. C'est trois choses différentes. Par contre, et donc, au final, c'est pas tout est prêt. Et donc, au final, il n'y a pas ce qu'on appelle un Dieu séparé du reste. Il n'y a pas une connaissance séparée du reste. C'est une unité qui est inclue de tous les détails, sans que ce soit des détails séparés de lui. Par rapport à nous, c'est totalement différent. Et donc la mauvaise année, tu ne regardes pas ce qu'il dit de Rambam. Dieu, il sait. Le fait que Dieu, il sait tous ses attributs avec lesquels Dieu, il a créé le monde, qui sont Chokhma, Bina, Dat, c'est la même chose pour lui. Akol, Echad, Miuchad, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas trois choses séparées, c'est une seule chose. Et là, on va arriver après, le Mazak, il va dire, ah, je te demande la question, comment c'est possible? La réponse, elle est, nous, on n'arrive pas à le comprendre. Parce que dans nos têtes, ça ne marche pas comme ça. Oui, mais nous, on n'est pas Dieu. Regardez numéro 2. Qui veut dire à Tatsmo, en fait, cette connaissance que Dieu y a dé à Kolana Ivraim, que Dieu connaît toutes les créatures sur terre, qu'il n'y a rien qui vient en dehors de lui. Chez Akol, lui, mais nous, tout vient de lui, ou Batel, même si Tatsmo est totalement effacé par rapport à lui. Donc, moi, chez Kata, Rambam Zal, comme il a écrit Maïmonide, chez Houa y a dé à, Houa y a doua, Houa dé à Tatsmo. Lui, c'est le connaisseur. Lui, c'est la chose qu'il veut connaître. Vous, Adéa, lui, c'est la science en soi. Akol Echad, tout est un. Regarde, qu'est-ce qu'il dit, Rambam? Vedavarze, cette chose-là, ein koach bapé le homo. Il n'y a pas de force dans la bouche pour le dire. Velo ba ozen le chameau, ni à l'oreille à l'entendre. Velo ba lève à Adam, et ni dans le cœur de l'humain, la kiro al borio de le comprendre. Cherche pas à comprendre ces choses-là, tu ne peux pas le comprendre. Dans notre tête, ça ne marche pas, on ne fonctionne pas de cette manière. Pourquoi? Tchakadosh baruchou, parce que Dieu maouto, vatsmuto, vedato, son essence. Qu'est-ce qu'il est et sa connaissance? Akol Echad Mamash, c'est tout un. Mikol Tzadopina, de n'importe quel côté, Bechol de Echichud, de n'importe quelle manière de son union avec laquelle tu voudras le décrire. Ve'enda Atoy, le fait qu'il connaît tout ce qui se passe, ce n'est pas d'avant nos savent quelque chose de plus, en plus, Almahoto Ve'atzmuto, que son essence et sa personne. Que moi, chez vous, Benefesh Adam, comme c'est pour un être humain, chez Da'ata, que notre connaissance, c'est d'avoir nos savs, c'est quelque chose d'en plus. Al-Ma'uta, Mourkava. Elle est composée de quelque chose. L'âme de la personne est composée de ce qu'il connaît, et c'est en plus par rapport à l'essence de la personne. Pourquoi? Chez Adam, l'homède, Viedéa, Zedava, quand quelqu'un se met à apprendre et découvrir une nouvelle chose, Kvaretta, Bonavcha, Maskelet, il avait déjà son âme qui peut comprendre. Il avait son cerveau, Beteram, Shalamad, Viedéa. Son cerveau existait avant qu'il apprenne. Ve'achar shelamad ve'yada, après qu'il a appris, qu'il a connu. Nitos fa'edi azav nafsho, cette connaissance, elle s'est rajoutée dans son âme. Ve'chem midayam ve'yam, pareil chaque jour, comme c'est écrit. Yamim yedaber ve'rav shanim yadir chokhma. Les jours vont parler, et plus tu avances dans les années, plus tu rajoutes dans la sagesse. Ve'ein zohar dut chuta, ça, ce n'est pas une union simple. Elle amour kavet, elle est composée de plusieurs détails. En fonction des années que tu as appris, en fonction de l'intelligence que tu as essayé de comprendre, en fonction, tu deviens de plus en plus intelligent parce que tu as emmagasiné beaucoup plus de connaissances. Pour l'humain, ça fait une différence. Avant la Kadosh Baruch Hu par rapport à Dieu, ou Ardut Pshuta, c'est une union simple, Blishu Markava Vetzadrit Biklal, sans aucune composition et sans aucun rajout. Il peut savoir ce qui se passe pour des milliards de personnes sur la planète, ça ne fait aucune différence pour lui. Et ce n'est pas parce qu'il le sait qu'il va changer de quoi que ce soit. Al-Kochach, tu es obligé de dire que Ma'uto ve'atzmuto ve'da'ato, son essence, qu'est-ce qu'il est? Et sa connaissance, Akol davar echad mamash, tout est une seule chose. Et donc,
Blishu Markava, sans aucune composition. Après ces explications sur... Ça, c'est Rambam. Ça, c'est Rambam. Moi, reprend la vie de Rambam, il t'explique que, et encore une fois, tu dois accepter le fait que dans ta tête, tu ne peux pas concevoir des choses qui ne sont pas comme nous le concevons tous les jours. Parce que pour un humain, comprendre, connaître, savoir, fait une différence. Pour Dieu, ça ne fait pas de différence. Comme l'expliquait tout à l'heure, la différence entre une connaissance extérieure et une connaissance profonde. Mais encore une fois, il nous manque un détail qu'on n'a pas répondu. Parce qu'on reste avec une question simple. Quand tu dis que Dieu, il est une chose qui n'est pas composée de plusieurs choses, il n'est pas composé comme l'humain de plusieurs forces, il n'est pas composé de plusieurs détails, mais là tu me dis de l'autre côté que Dieu, il connaît tout ce qui se passe dans le monde. Il y a Dieu, il y a date, la connaissance, il y a tous les détails que Dieu, il connaît. Donc on parle de plusieurs choses qu'on peut éventuellement les unir, mais c'est une union qui est faite de plusieurs choses quand tu fais une pâte. Parce que tu as mélangé de l'eau et de la farine. La farine, c'est des milliers de graines, de grains, que tu as mélangé avec de l'eau, qui ont formé une pâte. C'est vrai que ça fait une seule pâte. Mais cette pâte, prends le sac, mais cette pâte, elle ne s'est pas composée de plusieurs détails. Et donc, comment tu peux me dire que tout est un et que tout n'est pas composé de plusieurs détails? Comment tu peux me dire que Dieu ne change pas alors qu'il est mis à jour avec tous les changements de tous les jours? Quand tu prends un portable, on te demande de mettre à jour tous les deux jours. Il n'y a rien que tu as rajouté dans le portable. Le portable, il n'a pas changé. Mais les mises à jour font un changement dans le portable. Les applications, ils changent, le domaine, ils changent, les détails, ils changent, tout change. Quand tu parles par rapport à Dieu, c'est la même chose. Comment tu peux expliquer qu'il est au courant de tout ce qui se passe? Il sait de tout ce qui se passe. Il est mis à jour de tous les détails de chacun d'entre nous, et néanmoins, il ne change pas. Viens là, nous avons dit ce qu'on a dit tout à l'heure, d'après, basé sur le Rambam, qu'en réalité, on ne peut pas comprendre la réponse à cette question. Pourquoi? Parce que tu dois accepter le fait que le Nivra, la créature, ne peut pas comprendre le Créateur. Et chaque chose qui fait partie du Créateur est beaucoup plus élevée que qu'est-ce que nous pouvons comprendre. Et cette partie, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Pour Dieu, sa connaissance, ça fait un avec lui. Alors que pour nous, on a les limitations de la connaissance, les limitations de la compréhension, et on n'arrive pas à comprendre des choses qui sont totalement absentes. Et puisqu'on ne peut pas le comprendre, bien la demande à laquelle était terminée, alors comment on peut aboutir à ce sujet? On doit avoir ce qu'on appelle la émouna. On est obligé d'avoir affaire avec la, ce qu'on appelle la foi. Et là, on rentre dans un détail. Cette contradiction entre d'un côté savoir tous les détails de ce qui se passe dans le monde, et de l'autre côté l'unité de Dieu, c'est aussi ce qu'on appelle le fameux débat qui existe dans la religion juive, dans la pensée juive en général. Est-ce que Dieu est au courant de tout ou est-ce qu'on a un libre arbitre? Que tout le monde demande la question. Est-ce que Dieu sait ce que je vais faire aujourd'hui? Si il sait ce que je vais faire aujourd'hui, je n'ai pas de libre arbitre. Si j'ai un libre arbitre, alors il ne sait pas ce que je vais faire. Quelle est la réponse? Rambam vient et demande la question. Et Rambam te répond, Maïmonide, que c'est une question très profonde. Mais on doit savoir que la connaissance de Dieu n'est pas comme la nôtre. Et on ne pourra jamais le comprendre jusqu'à la fin dans tous les détails. Viens le Ravad. Le Ravad, il vient et il attaque Rambam. Et il te dit, si tu poses cette question, pourquoi tu n'as pas de réponse? Tu commences à poser une question, tu laisses sans réponse. Pose pas la question, laisse-moi tranquille. Tu as posé une question, je te donner une réponse. Si tu savais depuis le départ qu'on n'a pas de réponse, tu n'aurais pas dû poser la question. Si tu as posé la question, pourquoi tu n'as pas de réponse? Viens le Rabbi. Le Rabbi, il te dit qu'en réalité, Rambam, il n'a pas esquivé la question. Il n'a pas esquivé la réponse. Mais en réalité, il t'explique qu'est-ce qu'on peut comprendre avec notre cerveau. Que Yediat Hashem, la connaissance de Dieu, le fait que Dieu est au courant de ce qui se passe, est totalement différent de ce que nous sommes au courant. Et donc, le cerveau comprend que ce qui est totalement naturel, qu'on ne comprenne pas ce qui se passe par rapport à Dieu. Et le seul moyen de le savoir, c'est par la Emouna. Et une telle compréhension amène une tranquillité à la personne. Qu'est-ce que ça veut dire la Emouna? La Emouna, ça veut dire, c'est une force, c'est une foi qui a dans la force de l'âme, qui se trouve au-dessus de la connaissance, qui te donne la possibilité de comprendre des choses que la compréhension normale ne comprend pas, qu'avec la logique, je n'arrive pas à comprendre. Le moment où il y a des choses que je n'arrive plus à comprendre, je dois faire appel à la Emouna. Le fait que pas tout se met en règle, pas tout rentre dans les cases dans mon cerveau, il y a des choses que je ne comprends pas, là je dois me remettre à ce qu'est la Emouna. Ça, c'est ce que ça veut dire, je crois, en Dieu. C'est tous les discours qu'on a parlé, Shabbat sans Yitro, qu'on a parlé sur le fait que, c'est quoi ce premier commandement? Premier commandement, c'était quoi? Je suis.
connais pas les 10 commandements. C'est quoi? Je suis Dieu, ton Dieu. En quoi c'est un commandement? C'est quoi le commandement? Explique-moi, c'est quoi le commandement? Je suis Dieu, ton Dieu. En quoi c'est un commandement? Quoi? C'est pas écrit quoi? C'est écrit Anochi Hashem Elokeinu. C'est pas écrit les Amin. Viens, Rambam. Maïmonide, il t'explique que le premier commandement, c'est quoi? C'est l'Eida, connaître, savoir. Et le Rabbi t'explique que le premier commandement, c'est la base qui te dit, c'est pas suffisant de croire qu'il y a un Dieu. Croire ne veut rien dire. Comment tu fais descendre par la gorge vers le cœur? Comment le cerveau, il agit sur le sentiment? Comment le fait de savoir qu'il y a un Dieu, ça a un impact dans la vie de tous les jours? T'as tellement de juifs qui te disent je crois en Dieu, tu crois en quoi? Et combien ça a un impact dans ton comportement de tous les jours? Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ah, je comprends pas, qui a dit je dois comprendre? Ça, c'est ce que ça veut dire de la Emouna. C'est après que tu essaies même de vouloir comprendre un peu comment Dieu il connaît toutes les différences et tous les changements et néanmoins il ne change pas. Maintenant, je peux fixer de manière sûre que tu ne pourras jamais comprendre. Le seul moyen de pouvoir l'accepter, c'est parce qu'on appelle une Emouna Pshuta et Tmima. Une simple Emouna, une Emouna simple et solide, que ça, c'est la réalité. Dieu il est au courant de ce qui se passe sur terre, du plus grand créateur jusqu'au plus petit, et néanmoins, cette connaissance ne fait aucun changement en Dieu. Bien, la Mourazakin termine dans le chapitre 3, le prochain paragraphe. Il te ramène encore une fois le Rambam avec des explications d'Admo Hazaken. Il te dit que cette base, que la connaissance de Dieu, elle est totalement unie avec lui comme une seule chose. Et donc, de la même manière que tu ne peux pas comprendre Dieu, tu ne peux pas comprendre comment il connaît chaque chose et comment il est au courant de chaque chose. La seule manière de pouvoir le savoir, c'est la Emouna, la foi, le fait que Dieu il sait ce qui se passe dans le monde à chaque instant. Et malgré ça, ça ne rajoute aucun détail et aucun nombre dans sa personne, dans ce que Dieu il est. Et il te termine, Admo Hazaken, qui en fin de compte, les Mekoubalim, les Kabbalistes, ont été d'accord avec Rambam. Ils sont arrivés aussi à la même conclusion. Le Fichar, et donc, Keshem, Sheyef, Shal, d'après ce qu'on vient d'expliquer, de la même manière que c'est impossible, le Shum n'y verra pas aucune créature Baolam dans le monde. La Sig, de comprendre Mahout, Aborevat, Smuto, l'essence même de Dieu. Et qui il est, car pareil, Yef Shala Sig, c'est impossible de comprendre dans le cerveau d'un humain, Mahout, Dato, la connaissance de Dieu. Ça, tu ne pourras pas comprendre de la manière comment toi tu veux expliquer les choses. Rak, qu'est-ce qui nous reste? Les Amin, de croire, Beimouna, avec la Emouna, chez il est mal à Measaché. C'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est ce qui est plus haut que le cerveau, ou Measaché et la compréhension. Shakadosh Baruch Hu Yachidu Miuchad. Que Dieu, et ça c'est la fondation de la foi juive, que Dieu il est unique et il est un. Hu Vedaato Akol Echad Mamash. Lui et sa connaissance, ça fait que un, ça fait pas deux. Hu Bidiat Atzmo. Et par cette connaissance que Dieu il a, Makir Veyodea, il connaît et il sait Kol Anitzaim, tous les existants, ça c'est Rambam, Elyonim Vetartanim, d'en haut et d'en bas, Achil Shul Katan Shebayam, jusqu'au poisson le plus petit qui peut exister dans la mer, Vaditush Katan, jusqu'au plus petit moustique, Sheyem et Tabur Haaretz, qui a dans le centre de la terre, Ein Davan Elam Imenu. Il n'y a rien de quoi il n'est pas au courant. Ve'ein Yedi Azo. Et néanmoins, cette connaissance que Dieu connaît, ça ne rajoute en rien, Mosifabo Ribouy Varkava Klal, ça ne rajoute en rien en Dieu quoi que ce soit, ni aucune composition en plus. Mais acha, puisque chez Einara qui est dit à Tatsmo, Vatsmuto, Vedato, Akolachat. C'est la connaissance de Dieu lui-même, que son essence et sa connaissance forment que un. Viens la noix de Kentetame. Le fils, et Zeka, Shemerat, puisque c'est très dur. Le Tsayer, Betsichlenu, de comprendre et de s'imaginer dans notre cerveau. Comment Dieu, sa connaissance est que un. Et comment le fait qu'il connaît chaque chose, ça ne rajoute rien en lui. Alkei, la mara navi. C'est la fameuse phrase sur laquelle le prophète a dit dans Yishaya chapitre 55 qui gavou shamaim me'aretz, le ciel est plus haut que la terre. De la même manière que le ciel est plus haut que la terre, ken gavou drachem idachechem, pour ça est aussi beaucoup plus haut mes chemins que vos chemins, ou marche votam imarche votechem, mes pensées de vos pensées. Ouktiv, et comme c'est écrit dans un autre verset, acheker elokatim sa, si tu vas rechercher et vouloir comprendre Dieu, est-ce que tu vas le trouver? Ça, c'était dans Iyov. Ouktiv, et comme c'est écrit dans un troisième verset, aene basalach, est-ce que tu as des yeux de chair? À toi, imkirot et noche tiré, comme ça tu vas regarder les humains.
Shadam, Revayodéa, Koladvarim, comme on l'a dit tout à l'heure, l'exemple avec les tables et les chaises, que quand un homme y voit et y connaît toutes les choses qui existent, Biyedéa, Shechutzimeno, avec une connaissance qui est en dehors de lui, Akadosh Baruch Hu, par rapport à Dieu, Biyedéa Tatsmo, par rapport à Dieu, tout ce qu'il connaît, c'est lui-même, c'est pas quelque chose qui est en dehors de lui. Adkan le Shono, jusqu'à là, le langage de Rambam. Ayen Sham, la Mose qui termine, regarde dans l'Elchot Yisada Torah, les lois de Yisada Torah de Rambam. Veskimu imo chachmei Kabbalah, ils ont été d'accord avec lui, tous les sages de la Kabbalah, ils me voient me pardes me arama, comme c'est expliqué dans les pardes de Rabbi Moshe Cordovero, zichrono livracha. Cette phrase qu'on vient de voir de Yishaya, je me rappelle comme aujourd'hui, comme on l'a vu crié en 91. À chaque fois, on a vu ça avec le 7 octobre, on a vu ça à chaque fois qu'il y a un malheur sur le peuple juif, que Dieu nous en préserve. Je me rappelle en 91, il y avait un juif à Mnebrak qui avait dit qu'il allait avoir un deuxième Shoah sur le peuple juif, que Dieu nous en préserve. Parce que le peuple juif mange pas kasher, fait pas Shabbat, mange du porc. Et la preuve, c'est que 39 missiles vont tomber de Saddam Hussein. Ils sont tombés parce que ça correspond aux 39 travaux de Shabbat avec beaucoup d'autres bêtises. Comme Rabbi l'a crié, c'était 3 semaines de suite. Et c'est enregistré parce que c'était aussi dans la semaine à Sarah et Tevet. Le dit Tevet, on en a parlé aussi avec le voyage cette année avec les hommes, parce que c'est toujours la même période. Par la paracha Vayechi, Shemot Vaher à 91. Rabbi devait amener ces versets-là. Comme dans l'Aftara, des jeunes de Tanit Tzibour, on répète à chaque fois, Kilo marchevotai, marchevotachem, velot achechem, rachai. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes manières d'agir ne sont pas vos manières d'agir. Qui tu es pour connaître la pensée de Dieu? Qui tu es pour savoir comment Dieu fonctionne sur terre? Qui tu es pour définir et dire, Dieu il avait décidé de punir ces jeunes trans, je ne sais pas quoi, qui ont dansé pendant la nuit de ces prêtres-là, ils dansaient avec la Torah. Qui tu es pour parler au nom de Dieu? Mais Rabbi répétait ça pas seulement une fois, Rabbi répétait ça à chaque fois qu'il y a eu quoi que ce soit qui se passe dans le monde, que notre cerveau, dans les cases de notre cerveau, ça ne correspond pas exactement à la logique normale. Tout d'un coup, on se dit, j'ai les réponses. Tu as tous ces robins qui s'appellent rabbins, qui font des vidéos sur Internet à longueur de journée, et qui te donnent, ils ont toutes les réponses à tout, toutes les explications pour tout. Ils comprennent comment Dieu fonctionne sur Terre. J'ai toutes les explications, puisque dans le Chumash, je te trouve un verset par-ci, un midrash par-là, c'est écrit telle et telle chose. Dieu avait prévu que le 7 octobre devait se passer. Tu connais la pensée de Dieu. Tu connais comment Dieu fonctionne sur Terre. Et ça, c'est exactement ce que la Mose vient de nous expliquer ici. Qu'on n'arrive pas, nous, à comprendre les choses de la manière comment on voudrait les comprendre. Parce qu'on ne comprend pas comment Dieu fonctionne sur Terre. Parce que la manière comment Dieu connaît les choses et comment Dieu agit sur chaque chose, c'est pas la même manière comment nous, on connaît les choses. Soyons humbles et restons à notre place en se disant qu'un ivrin, une créature, ne comprend pas les manières comment Dieu agit sur Terre. La raison de chaque chose. Qui a interprété? Je ne sais pas. Interprété quoi? Pourquoi est-ce que Rabbi Akiva parle de ses élèves? Il y a une interprétation de la raison. Encore une fois. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on te dit? Que c'était les élèves de Rabbi Akiva qui étaient les plus grands sages. Donc ces gens-là sont capables de laisser ce que je dis à toi. Quand les gens te disent, je dis non, en préparant. C'est pour dire que. Je ne parle pas là d'un. Revenons il y a 2000 ans. Les gens te disent que le temple a été détruit. Une seconde. Qui a cherché? Une seconde. Qui a cherché? C'est ça la grande différence. Que quelqu'un qui est un tzaddik de la génération, que quelqu'un qui est proche de Dieu, quelqu'un qui comprend et qui parle avec Dieu tous les jours, et que lui peut venir et te dire que le temple a été détruit par la haine gratuite, comme c'est écrit dans la Gemara. Entre nous parlant, je ne sais pas ce que ça veut dire cette main. Définir et décrire Dieu comme un être punisseur, que parce que quelques juifs ne se sont pas parlé ensemble, la droite ou la gauche, ou les, je sais pas, les gauchos ou les laïcs, pour ça il faut avoir 1400 personnes brûlées, torturées, violées, découpées. Ça c'est ce qu'on en fait de Dieu. Quelqu'un qui parle comme ça, il doit se retourner sur sa tombe vivant tous les jours jusqu'à la fin de sa vie. Quand tous les jours dans la prière tu dis 20 fois par jour, Dieu la paix, miséricorde, Dieu la pitié sur le peuple juif, Dieu nous considère ses enfants, le fils aîné, le peuple choisi, que Dieu il a un long souffle, que malgré toutes les différentes malheur, prends juste la génération de la sortie d'Égypte. La génération, j'ai pas, c'est ça la réponse qu'on vient d'apprendre aujourd'hui. Alors, je suis pas censé tout comprendre. Je n'ai pas de réponse. Acceptons le fait que c'est Dieu qui agit. Et que Dieu, il est, comment on vient de dire, Dieu il est présent à chaque instant, il est présent pour chacun d'entre nous. Et il sait ce qui se passe. Et la Torah te dit, Mechol Tzaratam, Lotza. Et quand le peuple juif souffre, Dieu aussi souffre. Shrita Begaluta, la Shrina, elle est en exil avec nous. J'ai pas d'explication. De l'autre côté, venir et dire que Dieu il avait tout planifié et qui sait exactement pourquoi il y a tel et tel malheur, mais j'ai une réponse à tout. Quelqu'un qui comprend et qui peut parler avec Dieu, tant mieux pour lui. Je ne connais pas une personne sur terre qui peut parler avec Dieu. Revenons encore, enfin, tu parles des élèves de Rabbi Akiva, tu parles de toute cette tzaddikim. Nous, on comprend qu'est-ce que ça veut dire que par la haine gratuite, il a détruit son temple. Qui c'est qui en perd de tout ça? Point final. Celui qui perd, c'est Dieu.
Celui qui perd que le temple n'existe pas depuis 2000 ans, au final, le peuple juif, c'est toute la Torah que Dieu nous a donnée, 613 commandements qu'on ne le fait pas, c'est parce qu'on n'a pas le temple. Donc ça veut dire qu'est-ce que c'est des quoi? C'est le but, c'est quoi? C'est de faire en sorte, je crée un monde pour avoir une résidence dans ce monde ici-bas, en créant un temple dans ce monde. Je détruis ce temple parce que quelques personnes ne se parlent pas entre eux, ou même si c'est je ne sais pas combien, et au final, qu'est-ce que j'ai gagné? Que 2000 ans d'exil. Donc j'ai pas d'explication. Et on n'est pas censé tout comprendre, on n'est pas censé tout savoir, c'est ce que le Mazakin te dit. Revenons à la conclusion de ce qu'on a vu aujourd'hui. D'abord, on a vu la base que Dieu ne change pas par la création du monde. La création du monde, elle est insignifiante par rapport à Dieu. Dieu est un, il est uni. De l'autre côté, Dieu est au courant avec le moindre détail par la providence divine dans tout ce qui se passe sur terre. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Le fait que Dieu est au courant de chaque chose, c'est comme quelqu'un qui est au courant de ce qui se passe dans son corps, ce qu'on appelle une connaissance interne et pas externe. Mais c'est sûr qu'on a raconté plusieurs fois, la veille de l'année 2000, le New York Times a fait sortir une version du journal de la version 1er janvier 2100. 1er janvier 2100. Ils ont fait la première page en se disant, on s'imagine comment le monde aura l'air dans 100 ans. Et ils ont écrit une différente imagination, il n'y avait pas encore l'intelligence artificielle. Comment le monde... Est-ce que par exemple les robots vont pouvoir voter dans les élections? Comment utiliser les différents satellites qu'il y a dans l'espace sur les températures du temps, etc. Et dans le bas de la page de 1er janvier 2100, c'était écrit « Les horaires des allumages de bougies pour les femmes juives à New York, 4h39 ». D'accord? Ça, c'était écrit comme ça. Et c'est intéressant. On a demandé au rédacteur en chef du New York Times « Qu'est-ce qui fait ce morceau ici ?» J'ai voulu faire une imagination la veille du 1er janvier 2000, comment le monde aura l'air dans 100 ans. Qu'est-ce que tu écris ici, les horaires? Tous les vendredis, dans le New York Times, c'est écrit en bas de la page, de première page, les horaires de l'image de Shabbat. C'est une campagne que la Bible avait lancée en 1975, et depuis 1988, avec le décès de la Rabbanit. C'est tout le New York Times, tous les ans, etc. On a demandé, qu'est-ce que tu mets ici en 2100? Quel rapport? Il a dit comme ça. Je ne sais pas ce qui se passera réellement en 2100. Le monde, il est tellement dynamique, et le monde, il change tellement. Mais une chose, je sais, que le vendredi, que 1er janvier 2100, c'est un vendredi, les femmes juives continueront à allumer les bougies de manière éternelle, comme ils l'ont fait les derniers milliers d'années. Maintenant, quand tu commences à analyser cette histoire, ça vient te montrer l'éternité des mitzvot. C'est-à-dire, quel rapport avec un journal qui se dit des nouvelles? Les nouvelles, ça veut dire que tout change. Et la réponse, elle est oui, la Torah qu'on a demandé au départ. La Torah, elle est éternelle dans chaque génération. On ne va pas ni rajouter ni diminuer. Et néanmoins, la Torah, elle a son mot à dire sur les changements qu'il y a sur la planète. Là, bientôt, je suis dans 3 semaines à moi dans un séminaire à Porto, au Portugal, sur la Kashrout. Séminaire européen, de Rabbanim comme chaque année. Et qu'est-ce qu'on apprend dans ces séminaires? Tous les nouveaux développements de ce qu'il y a dans le monde de la Kashrout. C'est pas que la Torah, elle change. On adapte le code de la Torah à toutes les nouvelles technologies, les nouvelles manières de pouvoir fabriquer des produits kashers qui n'existaient pas il y a un an, qui n'existaient pas il y a 10 ans, qui n'existaient pas il y a 20 ans. Quel enseignement on apprend du coup aujourd'hui? On a essayé de comprendre comment d'un côté Dieu il est éternel et ne change pas. De l'autre côté, on a dit comment Dieu il est impliqué dans chaque détail et il est au courant de chaque chose qui se passe. Et ça se reflète aussi dans la Torah, les 10 commandements qu'on a reçus de Shabbat. D'un côté, Rambam te dit, la Torah azot, la Torah est éternelle, la Torah ne changera jamais. Et néanmoins, la Torah a tout son mot à dire par rapport à la lumière de Shabbat, la plaque de Shabbat, le koumkoum de Shabbat, l'ascenseur de Shabbat, l'escalier de Shabbat. Et tout change. Et c'est pas parce que la Torah elle change. Le monde change. Le monde change et la Torah a toujours son mot à dire. Et tout ce que la Torah te dit, c'est, ça a tout son sens et toute sa valeur par rapport au changement dans le monde. Donc nous, on doit d'un côté être fidèle à l'éternité de la Torah qui ne change pas. De l'autre côté, on doit s'opposer à tout vouloir, tout mode de réforme qu'on pourrait faire dans la Torah. On doit se rappeler que la Torah, elle n'est pas aveugle, elle n'est pas déconnectée du monde réel dans lequel on vit. Et que le même Shulchan Aruch qui existe depuis 500 ans est capable de te dire aujourd'hui combien de choses tu peux profiter jusqu'à avoir des fours de Shabbat, jusqu'à avoir des frigidaires avec le mode shabbatique, comme on a essayé de mettre à mal. Et la Torah, elle a une réponse pour chaque détail, même si la Torah elle-même, elle ne change pas, on s'en demande à rien. Avec ça, on termine ce qu'on dit tous les jours dans notre schéma, plusieurs fois par jour. Asher, Anochi, Metzafra, Ayom. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Que je t'ordonne aujourd'hui, qu'est-ce que Rashi te dit? Il dit tous les jours, Bechol Yom, Vayom, Yu, Benecha, Kachalashim. Chaque jour, pourquoi on dit que je t'ordonne aujourd'hui? Et ça doit être comparé à tes yeux chaque jour comme si c'était quelque chose de nouveau. On a ce mélange entre les deux.
entre cette éternité et ce renouvellement. D'un côté, que la Torah, elle est mise à jour tous les jours, elle est nouvelle, comme si c'est une Torah nouvelle que j'ai reçue aujourd'hui. De l'autre côté, la Torah, elle est éternelle, elle n'a pas changé depuis 3336 ans. Quoi, 34? On est en 1440. Nous, on est en 1984, c'était 36. Ça, c'était pour aujourd'hui. Le cours en replay sur Torah.fr. La semaine prochaine, on va aborder maintenant le prochain sujet. C'est toujours le même chapitre. Et c'est un autre débat qui existe entre les grands kabbalistes et les penseurs du peuple juif en général. Est-ce que c'était Tzimtzum Kipshuto ou Shelo Kipshuto? Qui veut dire, est-ce que quand la Torah, on te dit que Dieu, il a dû se mettre en retrait, se contracter pour créer le monde, est-ce qu'il s'est mis en retrait, c'est dans le sens simple du terme, une contraction proprement dit, ou c'était Tzimtzum Shelo Kipshuto? Il s'est contracté, mais ce n'est pas dans le sens simple comme nous on comprend. Et c'est un grand débat, parce que c'est-à-dire que Dieu s'est mis en retrait, c'est-à-dire que Dieu il est limité. Et on vient de dire que Dieu il est limité, d'après ce que vous m'avez expliqué, les deux ne sont pas contradictoires. Cours replacerotera.fr pour voir tous les cours de cette semaine, c'est celui que tu as live. Et ce dimanche matin à 10h, le troisième cours sur les conseils du Rabbi sur la vie, on parlera sur la santé mentale qui est totalement impactant, la santé physique du corps. Combien de centaines de conseils que le Rabbi a conseillé justement par rapport à la santé physique qui dépend de la santé mentale. Si Dieu veut, dans le cours ce dimanche matin à 10h, on pourra voir les cours précédents, on a vu cette semaine sur l'unité de la famille, la cohésion familiale, le bonheur de la famille. Et tout ça, au revoir sur retora.fr. Très bonne journée à tous, on finit avec un grand mazel tov, notre cher Gabriel. Longue vie, bonne santé. Et bien sûr, Rosh Chodesh, ce jeudi soir. Ce soir, Chodesh Tov, Mishenichnas Adam, Amin Besimcha. Qu'on rentre dans le mois d'Adam, on rajoute dans la joie, surtout cette année qu'on a 60 jours, je me rappelle comme en 92. La Bible parle longuement sur que 60 jours de joie, 60 jours qui peuvent tout annuler, toutes les mauvaises choses. Vous entendez et partagez que des bonnes nouvelles de nos frères et sœurs en Israël, la réussite de nos soldats, le retour de tous les otages, la guérison de tous les malades, que des bonnes nouvelles, et à la semaine prochaine.